Ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de mon Let's Play Impérialisme 2, cette deuxième tentative avec l'Angleterre. Un pays, j'ai choisi un pays un petit peu moins puissant que la France par rapport surtout à ses adversaires. Là, c'est vraiment un tout petit pays pour démarrer. On a vu surtout en nombre de provinces, elle était très désavantagée par. La comparaison avec la France, par exemple. Sur la carte d'Europe, la France avait beaucoup plus de provinces. Donc on va voir ce que ça va donner. Pour l'instant, c'est plutôt bien parti, mais... je continue à chercher des sciences qui valent que 100, parce que, honnêtement, j'ai pas beaucoup d'argent. Ça, je peux supprimer. Ok. Donc, épisode précédent, je me suis un peu trompé. J'ai attaqué une province qui n'était pas du tout une capitale, à ma grande surprise. Et là, ça va pas être une capitale non plus, hein, sérieux. Et j'ai pas beaucoup d'argent, c'est pour ça qu'il faut que je choisisse avec attention les provinces que j'attaque. Et comment ça se fait qu'ils ont des ports comme ça là? C'est bien étrange cette affaire. Là, je vais attaquer, mais je sens que j'ai encore me retrouver piégé. Bon, ce que je vais faire, je vais commencer à vendre un peu plus là. Question production 11, 12, je peux pas aller beaucoup plus loin. Donc je peux pas avoir plus de travailleurs. À la rigueur, je pourrais en faire un de plus pour pas que ce soit un chiffre impair. Mais c'est tout quoi, pas plus. Et là, est-ce que j'attaque ici? Et je me dis que c'est peut-être... Non, bon allez, c'est parti, on verra. Ah, des diamants, sauf que c'était pas pour moi, je crois. Discovered in the province of Limatambo. Je crois pas que ce soit pour moi. Ok. Donc là, j'ai dit qu'il fallait que je fasse plutôt du blé. C'est ça qui me manquait, je crois. Donc là, c'est parti. J'attaque. Est-ce que j'envoie tout ce que j'ai ou pas? Alors, parce que si c'est pas une capitale, c'est pas nécessaire. Bon, on verra. Ouais, non, mais c'est certainement pas une capitale, quoi. Je vais certainement pas envoyer tout ce que j'ai là-dessus. On remarque que j'ai pas grand chose. Quand je dis tout ce que j'ai, c'est un bien grand mot. C'est parti. Du coup, je me fais un petit peu avoir parce que ces attaques elles coûtent cher et elles rapportent rien. C'est pas très grave. Ouais, c'est parti. J'ai oublié un petit peu comme d'habitude de lancer le chrono, l'avantage c'est que là, la vidéo vient de commencer. Donc, je suis bon. Ok, là c'est bon, je vais l'achever pour être sûr de ne pas le revoir. Alors, ah bah, ce sera lui le suivant. Il s'est auto-désigné. Remarque, je vais pas l'achever comme ça, je vais aller sur les autres. Je vais l'achever avec celui-là. C'est parti. On va essayer de faire ça vite fait parce que du coup, il n'y a vraiment pas beaucoup d'unités. Parfait. Et c'était certainement pas une capitale, hein. Ouais. Là, c'est bien, il y a des ressources, mais toujours pas d'argent. Sans argent, je peux rien faire dans ce jeu. Donc, ça commence à être problématique. Alors là, je vais rentrer chez moi. C'est étrange quand même. Bon, c'est pas grave.
On va continuer à chercher. Ouais, je vais accepter. Là, je trouve beaucoup de ressources, mais pas celles qu'il faut. Ça, c'est bien dommage. Alors là, je suis à 12, donc je peux continuer. Je vais me mettre à 12 aussi. Je vais en faire 2 tout de suite. Pour prévoir large. Là, je me suis mis à Londres. C'est pas ce que je voulais faire. Ok, j'ai encore un peu d'argent. Ça, c'est pas une capitale. Je vais peut-être arrêter de vendre un peu de papier parce que il va me piquer tout mon stock, je crois. Il serait capable de vendre tout mon stock, ça le dérange pas. Est-ce que ça, c'en serait une? Mais je crois que je vais pas pouvoir les attaquer. Puisqu'il y a des petits drapeaux là. Alors ça. Alors si j'explore par ici. Normalement je peux pas attaquer parce qu'il y a des marchands portugais qui sont installés à cet endroit là. Ici. Ouais, c'est ça. Alors le problème c'est que c'est le Portugal. Est-ce que j'ai des frontières communes avec le Portugal? Je crois bien que oui. Donc c'est problématique. Mais ils n'ont pas tant de ressources que ça. Alors si je regarde, statut, armée. Ah, le Portugal est bien quand même. J'ai quand même envie de leur déclarer la guerre. Je vais essayer. Ça, je reste là. Sauf que mon armée, je vais la mettre ici. Je vais peut-être m'acheter, entre guillemets, autre chose. Et surtout que là, j'utilise pas ma main d'œuvre en fait. J'ai rien à produire. Alors, je vais arrêter de faire des chevaliers parce que après, ils servent plus à rien en fait, comme on l'a vu. Sur le let's play précédent, donc je vais plutôt faire des squires qui sont un peu plus utiles par la suite. C'est vrai que là pour l'instant ils sont pas très offensifs, mais bon. D'un autre côté, quand ils seront améliorés, ils seront quand même un peu plus intéressants. Ok, c'est parti. Je vais déclarer la guerre au Portugal, j'espère qu'ils n'ont pas trop d'alliés. Treaty map. Ça se trouve, c'est mes alliés à moi. On s'en fout, honnêtement. Alliés ou pas. On verra. On déclare la guerre. Alors. Enemy building along border. Caribe. Alors, je pense que c'est leur seule province dans le Nouveau Monde, là. Ouais. Donc on va voir si ça va gérer, hein. On va ramener toutes nos troupes ici. Ici. Et on va attendre. Entre guillemets. On va pas attendre longtemps, hein. Je vais attaquer mais... Ah, ils ont attaqué... Ah putain, ils m'ont piqué une province, bande de chiens. Avec rien forcément parce que j'ai pas de défense. Ah mais ils attaquent dans tous les sens en fait. Bon, il faut que je fasse pareil. C'est parti. Là, il n'y a plus de défense du coup. Donc ça coûte combien d'attaquer là? Ça coûte 700 d'attaquer hein, quand même. Je vais peut-être pas envoyer tout le monde s'il n'y a plus de défense. Allez, c'est parti. On va y aller à l'économie. Et merde, il a ramené les troupes, j'en étais sûr. Et il y en a une qui est un peu abîmée, on va essayer de gagner, mais...
On va le laisser. Ah non, il s'enfuit. Ok. Bon, pourquoi pas. Alors, lui, je vais plus avoir grand-chose à lui faire faire en Europe. Je vais pouvoir bientôt l'envoyer sur le nouveau continent. Donc là, c'est bon. Là, je vais quand même relier la ville, c'est un minimum. Question bouffe, on est comment là? 14, je peux en faire 2. Par contre, si j'en fais 2, il faut que là aussi je monte à 14. 2, non, je peux en faire 4, pardon. Ok. Alors là, j'ai le choix, j'attaque à droite ou à gauche, ou alors j'attaque les deux. Bon, en l'occurrence, j'attaque personne parce que mes troupes sont pas arrivées. Donc je me transporte d'abord et puis après on verra ce qu'on fait. Et merde, les Français m'ont piqué une province du Portugal qui m'appartenait en plus, c'est ça qui est bien. Sale chien. Bon. Ça veut dire que j'ai permis à la France. Évidemment, c'est des vrais rapias. Ils sont tous jetés sur les pauvres Portugais. Ça, c'est quoi? Ok, ça, je m'en fous. Ce que je voulais voir, c'était Battle Report. Ah, on peut pas revoir ce qu'on a vu tout à l'heure. Dylan Mark 6. Ah, bah oui, non. Bon, tant pis, je peux pas revoir. Parce que je voulais voir s'il y avait eu des morts du côté portugais, mais tant pis. Non, pour l'instant non. Ok, donc là j'ai réussi à conquérir quelques territoires. Ah, ils essayent d'envahir Mayapan, je sais pas où c'est. Mais ça veut dire qu'il faut que je mette des troupes. C'est là. C'est pas très grave, je vais me placer dessus. Avec tout ce que j'ai, de toute façon, peu importe. Et je pense qu'ils vont attaquer. Et on verra si on peut pas leur tuer, entre guillemets, quelques troupes. Après, ils vont fuir, évidemment. Mais on va essayer de les empêcher, d'empêcher ça. Au maximum. Non, ils attaquent pas. Par contre, j'ai pas de science, là. Depuis quelques tours, je crois. Bon, ça coûte pas cher. Je préfère ne pas mettre beaucoup d'argent dans ma science pour l'instant parce que j'ai toujours pas découvert une seule ressource monétaire. Ok, ça m'embête un peu honnêtement qu'il soit là à attendre sans rien faire. Alors, il a que une carac, donc ça veut dire que. Enfin, est-ce qu'il a vraiment qu'une carac? C'est ça le problème. Parce que s'il a qu'une carac, ça veut dire qu'il peut pas attaquer avec plus de 3 unités. Ouais, il attaque pas. Hein. Peut-être qu'il a été voir ailleurs. Il faut que je regarde si ses navires sont toujours là. Ouais, il a été voir ailleurs. Donc moi, je peux y aller. Je vais m'attaquer 2, 3, 6 unités. Ok, 6 unités pour attaquer. Ici, j'espère que c'est la capitale. Si c'est pas la capitale, j'ai fait cette guerre pour rien. Ah, ça c'est pas la capitale. J'en ai bien peur. C'est quand j'avais besoin d'argent. C'est pas comme ça que je vais m'en faire. C'est pas grave, on va reprendre notre tour du Nouveau Monde. Alors là, c'est parti. Alors l'avantage de cette unité, c'est qu'elle peut bouger après avoir attaqué. Et tant mieux parce qu'elle est un peu en carton. Là, par exemple, oh, c'est bon, ils m'ont pas attaqué. Mais c'est une unité qui après est améliorable, contrairement à ceux-là là, qui sont vraiment pas améliorables beaucoup quoi. Ils ont juste un niveau d'amélioration et après ils sont quelque peu inutiles.
Alors, ça, c'est bon, j'attaque. Je vais me mettre devant pour pouvoir les poursuivre efficacement. Voilà, donc là ils sont bien placés, juste à côté. Il faut pas très mal, hein, il faut bien l'avouer. Je me demande quand même si c'est pas une capitale, j'en sais rien. Ça me paraît un peu faiblard. Mais je sais rien, on verra. La bonne nouvelle, c'est que j'ai perdu aucune troupe. Ah si, hein. Oula. En plus, j'ai été super méchant parce que je crois que c'est la plus grosse prise d'argent que depuis le début. J'avais pas pris d'aussi grosse somme depuis le début, donc j'ai été bien moqueur pour rien. Ok, alors il faut encore que j'aille chercher cette ressource. Là, ce que je vais faire, je vais me réunir sur Londres. Alors, je peux pas aller chercher, je pense, une ville portugaise. Hein. Ils sont un peu trop mal placés pour moi. Et puis, le pire, c'est qu'il y a des... Il y a des... comment ça s'appelle? Il y a une fortification, donc, en clair, grosse difficulté à prévoir en cas de siège. J'ai pas regardé, est-ce qu'il fait pas le siège? J'ai pas regardé. Look at the sea. Il est à Babassi. Mais c'est juste des navires pour l'instant qui passent. C'est pas un blocus. Alors, Rotgazer, ça j'en ai besoin. Pour aller chercher des ressources de niveau 2. Enfin, améliorer au deuxième niveau. Ok, donc là il continue à voyager, mais il n'est pas menaçant. Épices, ça c'est des ressources monétaires. Je crois qu'il va falloir que j'aille chercher ça. Alors là, il faut que j'aille faire ça. Ça. Alors j'en suis où là? Je peux aller à 14, je suis à 15. Donc je peux en faire deux autres de plus. Ok. Et là je peux vendre du tissu, j'avais pas vu, mais. Ce qu'il y a, c'est que j'ai pas de navire. Je pourrais en faire un tout de suite. Enfin deux d'ailleurs. Non, un seul. Il va falloir que j'attende un petit peu. Ok, ça je fortifie pour l'instant. Là du coup. Pas de capital a priori. Je me demande si j'ai pas fait tout le tour quand même. Mais je trouve que j'ai pas trouvé beaucoup de capital en fait. Ça, normalement, c'en est pas une. Alors, il reste celle-là. Mais elle a pas l'air accessible par la mer, c'est bizarre. Je vais aller là. Forcément, elle est forcément accessible par la mer, je pense. Après, s'il n'y a plus de capitale, bah, je vais continuer sur des villes classiques, entre guillemets. Ah, elle est là, je pense. Ça a l'air d'être une province immense. Je vais attaquer là. Là, c'est bon. J'ai quand même beaucoup d'argent, c'est bien. Donc là, normalement, je peux... Ah, faut que je fasse la paix. Est-ce que je fais la paix maintenant ou pas? Oh, je pourrais toujours les réattaquer après. Hein. De toute façon, ils ont plus de provinces dans le Nouveau Monde. Ah, oui. Bon, c'est parti. Ils vont me la proposer, la paix, je pense. Je regarde juste un truc. Enemy force invading. Voilà, c'est ça que je cherchais. Caribe. Je sais pas où est Caribe. C'est pas là, c'est pas là. C'est là. C'est pareil, il y a une seule carac, donc. On va essayer d'y aller avec ça. Bon, je vais tout mettre, hein.
On verra, peut-être qu'ils me proposeront la paix, ceci dit. Ouais, c'est bon, je vais accepter. Oh là, putain, ça a rompu toutes mes alliances. J'espère qu'ils vont pas avoir la bonne idée de m'attaquer, tous ces gens. C'est pas grave. On fera avec s'ils m'attaquent. Ok, donc faut que j'aille dans un port pour pouvoir attaquer. Ok. Et je vais attaquer ici dès que je peux. C'est bon. Ah, j'ai eu peur. Je trouve que j'ai pas eu beaucoup de capital. J'en ai sûrement loupé et je m'en suis sûrement fait prendre cette fois. Ça s'est pas passé exactement comme je l'aurais voulu. Donc là c'est bon, je pense que j'ai fait les routes pour tout, pour toutes les ressources du vieux monde. Il me reste plus qu'à les faire, les ressources effectivement, parce que là j'ai fait les routes mais j'ai pas forcément fait partout les ressources. Donc maintenant c'est parti pour ici, le nouveau monde. Alors là c'est parti. Oui, il faut que je fasse un choix. C'est parti. Ça m'étonne que ce soit Technoclitan ici, une province aussi grande que ça. Bon, on verra bien. Non, à mon avis, c'est pas la capitale, ça. Il va falloir aller la chercher. Elle doit être à l'intérieur des terres, peut-être. Je sais pas si... Je savais pas que c'était possible. Mais c'est certainement pas la capitale. Alors, bon, j'aurais pas dû le laisser s'approcher autant, là. Allez, c'est parti. Là, ça pose un problème. Celui-là, je pense qu'il va pas pouvoir s'échapper, mais je suis pas sûr... Je vais l'achever. Voilà. Alors ça c'est bon. L'archer, c'est parti. Là c'est bon. Je peux le taper deux fois. Malheureusement, il faut trois coups pour tuer un archer. Donc ça va pas être tout à fait terminé. Voilà. Ouais, la capitale est à l'intérieur des terres, hein, j'en suis à peu près persuadé. Ah bah tiens, je vais commencer avec une médaille sur toutes mes unités créées. Plutôt sympathique. Alors là, je vais plutôt faire du bois. Question nourriture, je suis au top. Là, je fais un peu plus de bois, un peu plus de coton. Il me manque de la canne à sucre pour pouvoir commencer à faire des unités supérieures. Et ça, c'est le signal qu'il faut que j'arrête. Donc, je pense que maintenant, j'ai une frontière avec... Ça même pas dit. Si, je crois que j'ai une frontière avec Technoclitan. Donc, on va y aller. Là, je vais me reposer. Là, ce qui est bien, c'est que je vais bientôt pouvoir retourner faire du commerce chez moi. J'ai oublié ma recherche. Ok, par contre, il ne met pas d'argent, c'est pas cool. Ok, c'est parti. J'attaque cette capitale avec tout ce que j'ai. Je vous laisse là, et je vous donne rendez-vous demain pour la suite de ce Let's Play.